Bonjour et bienvenue à ce cinquième chapitre où on va parler plugin avec Lightroom. Excusez ma voix, je suis un peu enrhumé. On va parler d'un plugin qui s'appelle Mogrify, qui va vous permettre de rajouter des choses à l'export de votre photo, comme des bordures, bordures intérieures, bordures extérieures, ou des annotations texte, ou différents watermarks. On va aller voir ça. Le plugin s'installe comme tous les autres, hein, ça je vous ai déjà montré. Ensuite, vous le retrouvez au niveau de la gestion des modules externes, ici, Mogrify. D'accord. Par contre, pour l'appeler, ce n'est pas par module externe extra, vous voyez qu'il n'est pas dedans. On va l'appeler lorsqu'on fait une exportation. Donc, clic droit, exportation, exporter, et on va voir ce qui se passe. Et vous voyez que là, dans la fenêtre d'exportation, est apparu quelque chose qui s'appelle action de post-traitement, et on a LR Mogrify 2 qui s'est mis à l'intérieur avec différentes options. On ne les verra pas toutes. Vous irez voir la doc, je vous mettrai les liens de toute façon pour télécharger le plugin, télécharger également le programme Mogrify, parce qu'en fait le plugin ne fait qu'appeler un programme extérieur, donc il faut installer ce programme extérieur. Et puis on va aller regarder tout ça. Alors, pour faire apparaître les options de Mogrify dans la fenêtre principale, il faut double-cliquer sur une option. Donc là, vous voyez par exemple Mogrify Configuration qui vient d'apparaître. Et c'est ici que vous précisez le chemin du programme Mogrify. Alors ça, c'est pour PC. Je crois que pour Mac, c'est différent. Vous lirez la doc d'installation, c'est relativement simple. Donc moi, par exemple, dans le premier exemple, je vais dire, tiens, je vais mettre des bordures à l'extérieur de ma photo. Donc je vais double-cliquer sur Outer Borders. OK, donc ça, maintenant, c'est arrivé ici, Outer Borders. Et pour l'instant, je n'ai pas de bordure. Alors, il vous précise bien, les Outer Borders, c'est ajouté à l'extérieur de la photo. Les Inner Borders sont rajoutés à l'intérieur de la photo. On verra ça après. Alors, comment on va faire? Je vais rajouter, par exemple, une première bordure. Et je vais dire que cette première bordure, c'est une bordure noire. Une deuxième, je vais faire un petit liseré gris. Et une troisième, je vais faire une plus grosse bordure noire. Ici, vous avez un truc Identical Borders. Si vous le laissez cliquer, toutes les bordures seront traitées de la même manière. Si vous le décliquez, vous pourrez traiter chaque bordure de manière différente. Donc là, par exemple, je vais dire, je vais travailler en pourcentage de la largeur. Voilà. On peut dire aussi pourcentage de la hauteur ou pourcentage du côté long ou du côté court. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais là, je vais mettre pourcentage de la largeur. Et je vais dire que je veux une bordure qui fait 5% de la largeur. Vous voyez, automatiquement, il a mis le 5% partout. Si maintenant je déclique Identical Border, ici par exemple, je peux aller lui mettre 10% si je veux. D'accord? Donc là, ce n'est pas le cas. Je vais remettre mes 5%. De toute façon, je vais faire Identical Border. Voilà, tout le monde est à 5%. Ensuite, je veux un petit filet gris. Donc je vais rajouter plus ici. Donc il me rajoute une deuxième bordure après. Donc je vais dire que c'est toujours en pourcentage de la largeur. Mais là, c'est un petit filet gris. Donc je vais dire 0,5% de la largeur. Et je vais dire que c'est un petit filet gris comme ça. Très bien. Et ensuite, je vais rajouter une troisième bordure. Donc la bordure numéro 3. Donc là, il faut utiliser ces flèches-là si vous voulez vous promener dans les différentes bordures. D'accord? Et donc la bordure numéro 3, ce coup-ci, je vais dire que c'est 15%. En noir. D'accord. Je vais faire exporter, puis je vais voir ce que ça donne. C'est parti. Et donc, vous voyez qu'il m'a fait 5% de bordure noire, il m'a fait 0,5% de bordure gris, et il m'a fait 15% de bordure noire. C'est assez affreux, mais c'était pour montrer un peu le concept de la chose. Si je voulais faire ça un peu plus proprement, ça, il faudrait que ça soit beaucoup plus petit. Donc là, il faudrait qu'on soit à 1%, il faudrait qu'on soit à 5%, et là, il faudrait que ça soit encore plus petit. Alors, on va y aller. Le problème de Mogrify, c'est qu'on est à chaque fois obligé d'exporter. On ne voit pas le résultat en temps réel, hein. Donc, ça, c'est un peu la chose que j'aurais tendance à j'irais ne pas apprécier avec ce plugin. Mais bon, c'est pas bien grave. On va quand même essayer d'aller toucher à ça et faire quelque chose de plus correct. Donc, on revient dans Lightroom. Je réexporte, exporter. Pardon. Voilà. Donc là, je vais dire que c'est pas, c'est 1%. Très bien. Là, je vais dire que c'est 0, alors, je vais quelque chose de quand même beaucoup plus petit. 0,1%. Très bien. Et la dernière que j'ai par là, je vais dire que je veux 5%. Mon gris ici était peut-être un peu trop clair, donc je vais prendre un gris un peu plus foncé, comme ça.
Voilà, je refais exporter. Oui, j'écrase. Et on va voir ce qu'il m'a fait maintenant. Oui, je vais mettre à jour. Voilà. Là, il m'a fait quelque chose qui est quand même un peu plus correct en termes de bordure. Donc, vous voyez très facilement comme ça, vous créez une bordure extérieure. Si vous voulez mettre dans un album des photos avec des bordures, ou si vous aimez publier vos photos avec des bordures, c'est très facilement faisable. On va aller voir maintenant ce qu'on peut faire avec les bordures intérieures. Donc, on retourne dans Lightroom. Toujours exporter. Donc, les bordures à hauteur, je n'en veux plus. Donc, je les vire. Voilà. Et je veux ce coup-ci une inner border. D'accord? Donc, inner border option. Pareil, j'appuie sur plus. Alors là, c'est un peu plus compliqué puisque vous avez des notions d'opacité. Parce que là, la bordure intérieure, elle est à l'intérieur de la photo. Donc, vous pouvez très bien décider de garder une partie de la photo visible. Et vous avez également une notion d'inset. Et un inset, c'est quoi? C'est un décalage. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, je rentre dans l'image sans mettre de bordure. À partir d'un moment où je suis dans l'image, là, je mets une bordure. Et vous allez pouvoir faire ça pour différentes bordures. Parce que là, à nouveau, hein, on peut appuyer sur plus. D'ailleurs, si on veut les virer, hein, il suffit d'appuyer sur moins. C'est assez facile. Donc là, je reviens à ma première. Je vais vous montrer cette histoire d'inset pour que vous puissiez bien comprendre. Toujours travailler en pourcentage de la largeur, imaginons. Et je vais dire, je vais rentrer de 5% dans l'image avant de faire quoi que ce soit. Donc je vais laisser l'image pendant les 5 premiers pourcents de l'image à partir du bord extérieur. Et ensuite, je vais faire quelque chose qui fait 1%. Je vais dire que c'est blanc. Et avec une opacité à 50 dans ces eaux-là. Donc là, je devrais me retrouver avec un contour qui est l'image, ensuite à l'intérieur, une petite bordure blanche, mais qui laisse quand même passer l'image derrière, puisque l'opacité n'est pas à 100. Et on va voir ben, ce que ça fait, ce qu'on a demandé. C'est parti, exporter. Donc on voit bien qu'ici, l'image n'a pas été changée pendant 5%. On voit bien ensuite que j'ai une bordure blanche, transparente, puisque je vois quand même l'arrière de l'image derrière. Donc voilà le genre de choses que vous pouvez faire avec les bordures intérieures. Donc entre les bordures intérieures et les bordures extérieures, vous avez quand même moyen de vous amuser pas mal au niveau bordure. Alors attention, faites pas des trucs trop lourds, hein. Au bout d'un moment, les bordures, c'est marrant, mais des fois, vaut mieux laisser la photo sans bordure, c'est plus agréable. On va voir maintenant ce qu'on peut faire encore avec ce plugin. Donc on va encore jouer un peu avec les bordures, histoire de rigoler. Donc on va, la inner là, elle est bien. Je vais ici mettre une opacité à 100. Ensuite je vais en rajouter une qui n'a pas d'inset avec une size en 8,2, 2%, imaginons, qui soit noire avec une opacité à 50, pourquoi pas. Je vais rajouter de la outer border histoire de rigoler un peu. Donc il a gardé les paramètres qu'on avait mis avant. Très bien, je vais garder tout ça. Allez, on va faire exporter pour rigoler. C'est parti. Écraser. Donc vous voyez que si vous aimez les bordures, vous avez moyen de vous amuser, hein, parce que là, ça commence à être un peu chargé en bordure. Moi, je vous déconseille de faire ça. Mais bon, si vous voulez vous amuser avec les bordures, je vous ai montré qu'il y a quand même moyen de faire avec ce plugin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On verra la suite de ce plugin dans un deuxième épisode. Merci.